Yo yo yo, la famille, c'est CrackFlow. Welcome back sur le terre-terre, sur la plateforme CrackFlow, guys, pour une nouvelle vidéo, une dinguerie. J'espère que tu es bien. J'espère que tu es bien. Parce qu'aujourd'hui, ouais, tu as vu l'eau de corps. On a encore changé. On essaye de faire assez simple, assez tranquille. Voilà, et surtout te donner un très bon visuel. Aujourd'hui, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, nous allons parler de Benjamin Ibs. Benjamin Ibs. Qu'est-ce que t'as tout savoir à propos de ce rappeur? C'est sur CrackFlow, donc tu es sur la bonne chaîne et tu es sur la bonne vidéo. T'inquiète pas, guys, je te laisse le temps de t'abonner avant de commencer la vidéo. Active la cloche de notification, c'est très important, très important. Oui, très important. Donc, donne-moi surtout ton avis dans l'espace commentaire à propos de la chaîne, à propos de la plateforme, voilà, du rappeur. Si toi aussi tu aimes ce genre de contenu, donc c'est-à-dire le Crack Focus, où on parle, on décortique un peu, voilà, la vie des rappeurs, n'hésite surtout pas à me le dire dans l'espace commentaire. Donc, j'espère que tu es prêt. Si tu n'es pas prêt, on se retrouve après le générique. Kaja ! Yo yo yo, la famille, c'est CrackFlow. Welcome back sur le terre-terre, sur la plateforme CrackFlow, guys. Annyeonghaseyo, Yorubun, Mr. CrackFlow, Mida. Bonjour, Smida. Yo yo yo, guys, j'espère que tu te portes bien. J'espère que les vagues, c'est tranquille pour toi. Aujourd'hui, on va faire une dinguerie. On va faire court, on va faire simple. Donc, qui est le rappeur? Qu'est-ce que t'as? Ou encore appelé rookie de l'année 2020 en France, le rookie du rap français, Benjamin Ibs. C'est sur CrackFlow, c'est sur le terre-terre, donc donne-moi ton avis dans l'espace commentaire. N'hésite surtout pas à me le donner. Donne-moi ton avis dans l'espace commentaire. Et n'hésite surtout pas à t'abonner, active la cloche de notification. J'espère que tu es prêt, j'espère que tu as fait les bails, les way. Donc tout savoir à propos du rappeur, c'est sur CrackFlow. Benjamin Ibs, de son vrai nom, Benjamin Ipembia, fils d'un non-politicien. Voilà, beau robot, Ipembia est un jeune rappeur gabonais né le 6 avril 1996 à Libreville, plus précisément à Bellevue 2. Issu d'une grande famille rapologique, le jeune rappeur se fait bercer par l'influence rapologique de ses grands frères, notamment de Cam ou encore de Saïkeri. Depuis tout jeune, le jeune rappeur est dans le bain de la musique et se laisse fortement influencer par le rap US, le rap de Brooklyn, le rap de Jay-Z, Biggie, Tupac, mais aussi Nas. T'as les frères qui rappent et toi, t'es petit, tu observes, tu regardes. C'est la meilleure façon de se former en vérité. Mon frère aîné s'appelle Cam, C-A-M, et c'est au Gabon, c'est l'un des rappeurs référents. Le bouffage dans l'instinct, même mon parent se méfie. Chaque pivot, chaque maquis, chaque quoi t'es l'esprit. On forme des cartels comme à Ovando, ouais. Tout le monde en mouvement, chacun pense avoir les couilles de l'éléphant. Tout jeune veut taérige, les frères veulent le colo, se marier, faire des gosses et aller vivre à Paris. Combien vont traîner en polo pour trouver un white, white, pour trouver une night, night. Juste tout pour le place, beaucoup finissent fait mal en solo. Dame sur le school et le sport, s'initier aux trucs locaux, genre le bolo. C'est comme à l'époque du copo, certains portent et d'autres pas. Bon d'accord, c'est pas un scoop, vu que tu le sais déjà. Avant de devenir ce jeune rookie, avant de devenir ce jeune talentueux du rap français, le jeune Benjamin Ibs était connu sur plusieurs appellations. Il a commencé avec le nom de MC Croc, puis par la suite Jazzy et ensuite Kestat, nom qu'il porte à l'époque où il habitait encore au Gabon et sur lequel où il sort un album de 16 titres. Dévoilé en 2013, OETBL, on est tous les best. 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 3 ans plus tard, en 2016, le rappeur fait son comeback sur une autre appellation. Il s'est fait désormais appeler Benjamin Franklin, où il sort une mixtape de 9 titres, noir désormais. Yeah, regarde ton équipe expose, mon économie explose. Rien à faire, je suis West Coast. Rien à faire, je suis West Coast. Ça roule des titos en plein air, ça filme des tarots en plein air.
Domicilié actuellement en France où il poursuit ses études, le jeune rappeur a atteint sa troisième et meilleure forme rapologique. Un peu comme Freezer ou Sangoku, tu vois ce que j'ai envie de dire. Benjamin Ibs prend place dans les hauts du rap français, originaire notamment du Gabon et fortement influencé par le rap US. Benjamin Ibs séduit les amateurs de rap old school, notamment avec son EP Le Futur. Ma mère m'a appris à lire, mon père a appris à compter. Mes frères m'ont appris à me battre et appris à chanter. Yeah, je suis préparé, je peux pas me planter. Ils pourront plus me parler sur un ton méprisant. Si je suis pas riche à 36 ans, c'est que je suis mort ou je suis en prison. Bonne nouvelle, le meilleur rappeur de France est noir. Mauvaise nouvelle, le meilleur rappeur de France c'est moi. Je complimente quand j'apprécie. Percé au boom bap, comme lui-même il le dit, le rappeur apporte un vent de fraîcheur et s'impose sur la scène du rap français avec un nouveau projet, Fantôme avec Chauffeur, entièrement produit par le chroniqueur sale. Tu connais pas le chroniqueur sale ? En tout cas, le chroniqueur sale est un vidéaste, un producteur, mais surtout aussi un youtubeur où il compte plus de 80 000 abonnés sur sa plateforme que tu peux aller check. Voilà, le lien est dans la biographie. Et voilà, mais surtout un beatmaker de talent. Ah oui, alors c'est tout un imaginaire de rap straight out new-yorkais qui régnait dans les 7 titres Fantôme avec Chauffeur. Je te laisse découvrir quelques sons. Ciao. Finissent les enfants, ils sont le futur. J'ai passé 20 ans, je fais le plus dur. Je suis inquiet pour mes neveux et nièces. C'est violent à l'extérieur, ils sont noirs. Pour le monde entier, ils sont... Quelques petits hicks, notamment des similarités qui viennent tacher, voilà, la biographie, le personnage du rappeur de Benjamin Ibs. En effet, il est comparé à Westside Gunz de Griselda Records, notamment pour son vocal qui est un peu similaire à ce gamin-là qui essaye de chanter. Tu vois ce que j'ai envie de dire? Je te laisse découvrir de toi-même. Kaja! Talking head, she with the savings, talking lace. I'm talking George, Kendall, Payton, Texas, Lord's brand shit. Contemplate, break it down and hold up. Force de constater que l'auteur de Kennedy en 2005 bat le même fer que Westside Gunz et surtout la même vibe que du rappeur, mais attention, il est plus ou moins, pour ma part, il est plus ou moins unique et il n'est pas venu pour dormir parce que lui-même il le dit, il est venu prendre le trône du rap français. Let's go, Booba a sorti le dernier album, ça y est maintenant je peux prendre le trône vu que tout le monde veut tester mon chrome. Les textes de Benjamin Ibs sont plus ou moins différents, mais bon, avec quelques petites similitudes quand même. Tu peux retrouver des Lego trips. Faut respecter ses aînés ou au moins ses pères. Yeah. Et moi, je suis venu baiser les deux, comme ça au moins c'est clair. Car j'ramène la... Des références rapologiques ou des attaques gratuites. Ouais, jeune, donc je vais durer comme Weezy. Oui. Venu prendre les Necfeux, les Alpha, les Sneezy. Mais surtout, le rappeur n'hésite pas à toujours mentionner ses origines, d'où il provient. Notamment Belvi 2, Elbev, voilà, Zeng, Kingele. Je fais le calcio, j'ai grandi à Libreville, Bellevue. Aubameyang flow, t'as la sauce, négro gel jus. Regarde maintenant les gens écoutent, les rappeurs veulent s'agglutiner. Me laisse pas entrer dans la ruche, sinon je crois que je vais butiner. T'es mort. Mais aussi donne souvent des clins d'œil à certains footballeurs. Confier les fesses de Sophie, en vrai je suis jamais à côté du truc comme Abby Bay. Ou encore des allusions, voilà, où il fait des clins d'œil, des big up, voilà, à certaines vidéos virales qui circulent sur le net, notamment le fameux dis le terme. C'était pas méchamment. Oh, mais dis le terme, dis le terme, dis le terme, dis le terme. Pourquoi tu fais de... Tu enjolives les choses là, dis le terme, ouais, dis le terme. On est sur le point de décapiter le king, tu sais à qui je pense. Dis le terme, dis le terme. Tu vas me faire faire de la prison ferme. Aujourd'hui, le rappeur a 25 ans. Surtout, il nous démontre qu'il a bien appris et assimilé les leçons, voilà, inculquées par son grand frère Cam, voilà, qui lui a un peu, voilà, je peux dire, hein, inculqué cette culture hip-hop, rap, voilà, au travers de ses magazines, au travers des voyages qu'il faisait tout le temps en France après ses études, où il a porté des magazines qui a permis au jeune Benjamin de découvrir des rappeurs comme Arsenic ou encore La Clica ou bien Time Bomb et bien sûr le rap new-yorkais, notamment celui de Jay-Z, hein. On peut voir cette similitude, Jay-Z. Mais bon, grâce à l'influence de ses grands frères, j'ai cité Sykenry ou encore Cam,
qui a été très influent voilà, dans la tournure du style du hip-hop du rappeur Benjamin Ibs. Aujourd'hui, le rappeur a atteint sa meilleure forme et surtout aujourd'hui, il est ancré dans l'industrie de la musique francophone, appelé désormais le rookie du rap français. Est-ce que tu penses aussi un peu comme moi qu'il va réussir à détrôner le duc de Boulogne, même à la retraite? Ou toi aussi, tu penses que c'est un effet de buzz ou bien c'est juste un effet d'éclat, juste parce que c'est le début? Mais bon, donne-moi ton avis dans l'espace commentaire. Let's discuss in the comment below, bro. N'hésite surtout pas à me donner ton avis à propos de la plateforme, à propos de la vidéo, si toi aussi tu aimes ce genre de contenu. Donc, le Crack Focus, n'hésite surtout pas à mettre un pouce bleu pour encourager le référencement et surtout à m'encourager, voilà, la plateforme à devenir plus ou moins autonome. Donc, j'espère que tu as aimé. C'était MC Crack Flow sur les platines. J'espère que nous allons nous retrouver pour une prochaine vidéo sur Crack Flow. Et sans plus tarder, Kaja ! Crack Flow, Crack Flow, Crack Flow. J'ai les chimiques, j'ai la vista Crack Flow.